Chers frères et sœurs en Christ, nous voudrions vous présenter ici quelques consignes à respecter chaque fois que vous devez prendre part au service divin. Voici les condensés. Chers frères et sœurs, afin d'assurer dans les meilleures conditions le déroulement du service divin dans le respect des mesures sanitaires requises, nous souhaitons vous informer que le port du masque est obligatoire. Après avoir pris place, merci d'éviter tout déplacement. En cas de besoin, vous voudrez bien vous signaler au service d'ordre et prévenir vos voisins avant de sortir de votre place, de votre banc, pour permettre à tous de vérifier leur masque. Ce qui impose à Kobi Mezali, yebisana ba yo ba chami pona kocha alima na kati alisanga, bongo poete ozong sa masque na ona bisika na ngona na zolo et puis oyebisaba ebazanzinga zinga na yo poete ba pesa yo nzela ya kobima. Les cantiques ne seront pas chantés à haute voix. Banzembo ekoyemba mana mongongo makasi te. Vous pouvez suivre intérieurement les chants du soliste ou de l'instrumentaliste. Okoki kolanda na mongongo asema kasi boyembi ya bandeko bakoyemba tope ya mabeti mandanda. Et nous exprimerons la prière de notre Père avec le masque. Tokosala losambo ya tata wa biso alikolo tokotia masque na biso na elongi. Le déroulement de la Sainte Cène se fera selon les indications du service d'ordre. Dans le respect de la distanciation physique et en portant le masque. La liberté de participer ou non à la Sainte Cène est laissée à chacun. La réception de l'hostie sera confirmée soit par un amen à voix basse, soit par un hochement de tête. L'hostie est à garder en main jusqu'à ce que vous soyez à votre place ou après avoir retiré le masque, vous pourrez mettre l'hostie en bouche. Sima ya kolongola masque na yo otiango na moto na monoko na yo pe sima ozongisi masque na yo. On peut chanter l'amen qui suit la bénédiction finale mais à voix basse. Tokoki koyemba amen oyo elandaka lipamboli ya suka ya losambo kasi tokosala yango na mongongo masema kasi. À la fin du service divin, vous suivrez les consignes du service d'ordre pour quitter le lieu de célébration. Na suka ya losambo bokolanda bongo mateya tope makanisi ya baiba chami pona kocha alima pona kobima na kati ya lisanga. En portant votre masque et en maintenant la distanciation physique réglementaire. Kobosa na kocha masque na ona elongite pe kotosa motango ya mwa espace na baninga baiba za liboso. Ces mesures sanitaires restent en vigueur à l'extérieur et aux abords de l'église. Mikano oyo ya minganga to sengeli kokoba kotosa yango atana kati ya lisanga na biso to pe libanda na yango. Toute sortie de l'église est définitive. Bobiminyoso libanda ezali bongo kozonga lisusu na kati te. Votre participation au service divin, vos acceptations est pleine entière de ces mesures sanitaires.
awa bondimi ko sangana na kati ya losambo elexete bondimi mikano nyoso oyepesami na minga. La liste des inscrits étant utilisable pour les prochains services divins, il est inutile de se réinscrire. Mokando tokoko mabaye basengeli ko sangana na losambo lokola tokosalela ngol susu na losambo ekolanda tina ya kokoma lisusu kombo mbala mibale ezalite. Merci de votre compréhension et bon service divin à tous. Matondo pona boyoki na bino pe losambo ya malamu na biso banso. Merci beaucoup. Matondo. Kombo ya Nzambe, Tata, Mwana, Pe Molimo Santo. Bon et tendre Père, Wabolingo, Tata Nabiso. Tu es le Tout-Puissant. Otondisami na Bokasi. Tu nous as béni, mon Père Céleste, pour que nous puissions retrouver encore le chemin de ta maison. Opambo Libiso, Potomona, Lissou, Nzela, Yandaku, Nayo. Immense merci pour cette grâce. Matondo Mingi, Wassa, Motema, Pona, Bonzenga, Yé. Il y a longtemps que nous avions perdu un peu de réflexe, mon Père Céleste, mais tu as permis que nous puissions toujours nous retrouver ensemble pour raviver encore cet instant. Gongamolaï to bungisaki makanisimaye kasi yon dimili susu poete tozonge la makanisio petoya lisusu nakatianda kunayo. Accepte de nous voilà encore ta puissance, ton pouvoir et ton autorité en nous, mon Père Céleste, car nous sommes le reflet de ton image. Bénis tout ce qui se passe dans ce pays, mon Père d'amour. Tous les changements intervenus, on n'était pas habitué à ceci, mais tu as permis que nous puissions vivre cela. Donne-nous la capacité d'adaptation, Père d'amour. Et maintenant nous voici dans ta maison pour que tu nous parles comme un père le fait à ses enfants. Beaucoup de choses, mon Père, sont encore sur nos cœurs. Et toi, tu connais toutes choses. Tu n'as pas besoin que personne ne te les dise. Accepte de bénir ceux qui sont en souffrance en cet instant. Et ceux qui sont éprouvés. Pense aussi, mon Père Céleste, à nos jeunes et ceux qui cherchent leur avenir. Accepte de venir ton œuvre, mon Père Céleste, d'ici-bas et aussi le monde de l'autre. Nous sommes confiants que rien ne se passera qui puisse faire obstacle à ton plan de salut. Car tu verras toujours à poursuivre ce plan de salut sans entrave aucune. Béni mon Père Céleste, toute nos communautés où se réunissent tes enfants. Et nous sommes toujours unis ensemble dans la paix de notre apôtre, de l'Église de notre apôtre patriarche. Ainsi que tous les serviteurs de ta maison. Nous pensons, bon Père Céleste, à tout ce que tu pourras encore faire pour nous, pour les jours à venir. Car il n'y a que toi qui as la clé d'avenir et de la vie de chacun d'entre nous. Nous te prions de faire plus et mieux que faire esprit en parole. Ceci en toute humilité au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
bien, chers frères et sœurs en Christ. Balinga mimi bali mpe basi kati na Christo. Nous avons une parole qui est dans Actes des Apôtres. Nous allons lire maloba o ezwami na kati ya mokanda misala ya bantoma. Nous allons lire le chapitre 1 au verset 13 à 14. Tokotanga kapo ya yambo na nzela ya zomi na misa to pe zomi na mine. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils de Alphée, Simon de Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Tango bakomi na ville, bakoti na ndako pe ba mati na étage et pa ba mesana ki kosangana. Ezalaki Pierre, Yohani, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques mwana ya Afé, Simon oyo azalaki liboso moto ya lingomba ya Baweli lipanda na Yuda mwana ya Jacques. Bango nyonso bayokanaki mpe bazalaki kosangana mikolo nyonso pona kosambela esika moko na basi mosusu mpe Maria mama ya Yesu na bandeko ya Yesu. Prenez place. Kino wana bokokozwa esika. La chorale peut nous prêter un cantique. Akoko bayemi nzembo bakopesa biso nzembo moko. Nous nous réjouissons d'être ensemble avec vous et nous tous dans la maison de notre Père Céleste. Nous allons à Essengo et à Kozala na bino banso et longon pe biso na katianda ko ya tata na biso alikolo. Nous remercions aussi votre chorale de fortune avec les cantiques oh combien réconfortant. Nous akotonda botondi bayembi na biso ya eleko eye na nzembo bango ba pesi oh wapi za ko lendisa penza. La parole de Dieu doit être toujours une lumière à nous. Il oba na nzambe sengele zala tango nyonso bongengi na makolo na biso. On ne sera pas branché si nous l'intéressons à nous. Tokokwe ya te soki to lati yango kati na biso. Ça nous permettra pas d'avoir les toutes à nous.
Et nous avons les doutes, chers frères et sœurs, en nous. Ce qui nous a attendu, de comment si peu mobile qu'à Tinabiso, nous ne pouvons pas percevoir les merveilleuses interventions de notre Père Céleste. Ce comment a été ma cambomine ne oh wapi zambé na biso azo sali la biso. Vous remarquez que nous sommes entrés pas comme d'habitude. Bon, monier te tocotil le lengue à mon mesanoté. C'est ce que j'ai une petite pensée à partager avec vous, la pensée venue de notre apôtre Patriarche. Dans le service de la Pentecôte. Ezalaki mokolo ya losambo o wapi ya Pentecôte. Où il avait dit ceci, je lis in extenso cette pensée. Maloba lobaki yango nazo tanga yango kaka ndenge ya lobaki yango. Il y aura bientôt un changement pour nous tous. Kala mingi te makambo ekobongo na pona biso nyonso. Nous allons retourner à l'église pour y célébrer les services divins. Comment retournerons-nous dans nos églises? Est-ce que tout devra être comme auparavant? Nous avons une occasion unique de changer quelque chose. Prenons cette décision maintenant. Lorsque je retournerai dans ma communauté, je veux être une autre personne. Avons-nous changé? Sommes-nous une autre personne? Est-ce que tu as commis moto mosusu? D'où toutes ces recommandations qui nous ont été lues ici, avant cette vidéo. Makambo nyonso oyeloba maki awa yambo ya losambo. Toutes les mesures barrières qui nous ont été communiquées. Et nous devons nous respecter, c'est-à-dire chacun à sa place. Ce qui n'était pas une habitude pour nous, pour le mois passé. C'est ce qui a fait que nous soyons terrés chez nous pendant les quelques mois. Et nous voici retourner avec d'autres habitudes. Dans la bisoto zongi na ba lo mesano ya lolenge na yango. Nous devons nous y adapter. To sengeli to mesana na yango. Frères en Christ. Balinga mimi bali pe basika tina Christ. C'est concernant la parole de ces jours. Na mai matali le ba ya mokolo mwa lelo. Il s'est de rappeler et sengeli to yebisa bino ete qu'après sa résurrection, Jésus était apparu à ses disciples. Si ma yabo sekwi na ye Christo a mi monisa ke pa ya ba ye koli na ye. Il leur a donné toutes les preuves possibles. Ameka ki kola ki sabango makambo nyonso bango bazaki nango na posa ya komona. Il les enseignait tout concerne le royaume de Dieu. A ye kwisa ki bango makambo etali bokonzi ya likolo. Et en leur disant na boye bisi bango ete que vous serez dans peu de temps baptisés du Saint-Esprit. Et vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre. Bongo bino bokozala banzene neke nangai kino na suka ya mokili. Et il fut élevé. Pe bongo yeba tombo maki. Et pendant qu'il regardait, kasi awa bango bazala ki kotala ye, il nuait les déroba à leurs yeux. Lipata moko eye pe bombi ye na miso na bango. Et deux personnes leur apparurent en leur disant, c'est Jésus qui a été enlevé du milieu de vous. Yesu oyo alongwaki kati na bino reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Akozonga na lolenge moko bino bomoni ekokende likolo. Et du coup, pemba la moko, ils ont résolu de retourner à Jérusalem. Ba ekososole te sengeli bazonga na Jérusalem. D'où le texte de ce jour. Ne maloba ya mokolo mwa lelo. Quand ils furent arrivés, tango bakomaki, ils montèrent dans la chambre haute. Bamati bongo na ndako ya likolo, ils s'étaient d'ordinaire. Esika bazalaki kovanda na momesano. Tous d'un commun accord. Bango nyonso na boyokani moko. Persévéraient dans la prière. Aumelaki na kati ya losambo. Ils ont retourné à Jérusalem. Bazongi na Yerushalema. Tous d'un commun accord, ils se sont retrouvés dans la chambre haute. Bangonyo sona boyoka ni moko bavandi na esika ya likolo koleka. Pour prier. Pona kobondela. C'est l'image que nous avons. Ezali elilingi otozana yango pona lelo. Nous sommes retrouvés dans cette chambre haute qui est la communauté.
Pour prier, vous persévérez dans l'enseignement des apôtres. Dans la communion fraternelle. Et bientôt, nous allons partager la Sainte Seine. C'est ça la chambre haute. Lorsque nous avons parfois des petits problèmes, des difficultés, pensons à la chambre haute. Même nos maisons doivent être des chambres hautes. Rappelez-vous de Daniel. Daniel. Lorsqu'il était exposé à certains risques. Il s'est retiré dans la chambre haute. Et c'était pour prier et louer Dieu. Rappelez-vous de la veuve de Sarepta. Bokanisa mama ya kufela mobali ya Sarepta. Qui pensait que Dieu avait fait mourir son fils à cause de ses péchés. Oya daki kokanisete nzamba bomaki mwana na elikola masumu na ye. Et s'était retiré dans la chambre haute aussi pour implorer la grâce de Dieu. Yepe bongo mataki na ndako ya likolo pona ko senga bongo mama ya nzambe. Les exemples sont légion. Ya solo bandaki seze ebele. Frères et sœurs en Christ. Balinga mimi bali pe basi kati na Christo. Nous devons savoir que nos prières au sein de nos communautés permettent d'intercéder en faveur de ceux qui ont des problèmes aussi. De ceux qui sont éprouvés. De ceux qui sont affaiblis dans leur foi. Même ceux qui sont morts sur le plan spirituel. Nous demandons à ce que Dieu leur donne la force nécessaire. Qu'il les console. Et qu'ils soulagent leurs souffrances. Et de ceux qui sont morts sur le plan spirituel, que Dieu affermisse aussi leur foi en leur permettant de vivre sa proximité. Frères et sœurs en Christ, la prière commune constitue une force pour nos communautés. Pour nos familles, pour notre croissance spirituelle. Ne soyons pas de ceux qui disent personne ne sait ce qu'il y a après la vie. Vivons tout simplement au jour le jour. Car demain nous serons morts. Quelle attitude pauvre et misérable, cher frère Jésus. Makanisi ninyo yo ya mabempe ya bobola. Pensez de la sorte. Okanisa lolenge boye. C'est une attitude pauvre et misérable. Ezali lolenge penda ya bobola mpe ya pasi koleka. Mais pour nous. Kasi mpona biso. Pour nous, chers frères et sœurs. Mpona biso balinga mimi bali pe basi. Nous voulons être de ces restes qui investit tout son temps et son énergie dans des choses éternelles. En dépit des multiples sollicitations que nous pouvons avoir dans la vie, nous avons toujours un temps nécessaire à consacrer à notre Père Céleste. Ne soyons pas distraits par les agitations du siècle. Par les bruits de la cité. Les bruits de notre entourage. Investis notre temps et notre énergie pour des choses éternelles. Tous ceux qui aujourd'hui font partie de ce reste. Ceux-là, frères et sœurs, resteront jusqu'au jour du Seigneur. Ça c'est notre joie. Ensemble, nous sommes sûrs et convaincus que Dieu fera de grandes choses si nous sommes unis. Bon, nous n'allons pas dire que nous sommes capables de changer des choses. Non, c'est pas ça. Ou d'imposer notre volonté à notre Père Céleste, de changer quoi que ce soit, non. Mais nous implorons ça. Il y a des choses qui ne vont pas encore réussir à réussir dans la vie.
Mais nous nous remettons entre la grâce de notre Père Céleste. Frères et sœurs en Christ, Dieu veut que nous soyons profondément enracinés dans la foi. Dans l'amour et dans l'espérance en Christ. Et de cela, de ce fait, la vie éternelle et la communion éternelle avec lui nous fera oublier toutes les peines. Que pensez-vous de votre avenir? Plus l'avenir spirituel vient l'avenir charnel. Et lorsque ce frère dont on a parlé tout à l'heure, qui s'était retrouvé dans la chambre haute, ils avaient les mêmes aspirations, même sentiment, même attente. Ils sont allés attendre que la promesse qui leur a été faite soit réalisée. Ils devaient recevoir le Saint-Esprit. Et nous qui sommes ici maintenant réunis ensemble, qu'attendons-nous? Nous attendons les retours de Christ. Où l'attendions-nous? Ce n'est pas dans la rue. Ce n'est pas au coin de rue. Et les autres étaient arrivés, ils sont montés dans la chambre haute ensemble pour prier et persévérer dans l'enseignement des apôtres. Et nous attendons notre Seigneur Jésus dans sa maison. Et nulle part ailleurs. Cela doit nous motiver, frères et sœurs. Et que Jésus, qui est notre sauveur, soit toujours notre professeur, notre enseignant. Et que le Saint-Esprit soit notre consolateur. Amen. Amen. Frères et sœurs en Christ, je sais qu'il y a longtemps que vous êtes là. Souffrez que j'appelle quelqu'un, un serviteur de Dieu, qui doit aussi venir enrichir cet enseignement. C'est notre berger Tati. D'accord, s'il vous plaît. Maïmbi Nzembo. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je ne sais pas quel est le sentiment de votre cœur ce matin, mais pour nous autres, c'est avec beaucoup de tremblements que nous sommes venus vers notre Dieu. Après avoir manqué ce lieu que nous aimons tant, notre Dieu dans sa grâce nous permet de venir une fois de plus dans la communion des frères et des sœurs. Après ce temps de disette spirituelle entre guillemets, nous avons la grâce maintenant de recevoir le menu complet comme l'apôtre patriarche l'avait appelé. Pendant quelques temps, nous avions un menu réduit.
Mais qui était plein de bénédictions tout autant. Et à partir d'aujourd'hui, nous avons le menu complet auquel nous sommes habitués. Et l'apôtre nous a servi dans la puissance de son ministère. Il a parlé des frères, des sœurs de Jésus. Les apôtres de Jésus. Après que le Seigneur soit monté, ils se sont rendus compte que la direction n'était pas de rester en train de regarder les cieux. Il fallait rentrer au travail pour attendre Jésus. Et le premier acte qu'ils ont fait, ils se sont mis d'accord. Et ils ont persévéré dans la prière. Bien aimé dans le Seigneur, l'apôtre dit, il faut que tu persévères, que je persévère dans la prière. Ils sont montés dans la chambre haute. Et l'apôtre te dit aujourd'hui, monte dans la chambre haute. Que je monte aussi dans la chambre haute. À l'image de notre Seigneur lui-même. Il s'est retiré souvent dans la montagne pour prier. Bien-aimé, pour nous, la prière, c'est exactement comme la respiration de notre âme. Il n'y a personne qui peut se dire j'ai envie de vivre mais je dois arrêter de respirer. Prier, c'est respirer. Et il faudrait persévérer. Bien aimé, persévérer, c'est continuer alors qu'on a de bonnes raisons d'abandonner. Tu as prié, tu es fatigué. Si tu arrêtes, tu n'as plus persévéré. Mais persévère. Prions ensemble. Avec humilité. Avec foi et confiance. Comme les enfants qui parlent à leur père. Nous avons le droit de tout lui demander parce qu'il est notre bienfaiteur. Mais la prière dans laquelle nous devons persévérer chaque jour. Seigneur, envoie vite ton fils Jésus. Qu'il vienne et qu'il nous prenne. Seigneur, rends-moi digne pour le jour de ton fils. Et quand ce jour sera arrivé, par grâce, il nous prendra. Que la gloire revienne à notre Dieu. Aujourd'hui, à tout jamais. Amen. Amen. Nous sommes contents de l'intervention de notre berger. Bientôt, nous allons nous retrouver ensemble dans la prière de notre père. Qui ne va pas la prononcer? Qui? Parce qu'ensemble, nous sommes animés de même sentiment. Nous sommes unis ensemble pour prier dans la maison de notre père. Je sais qu'aujourd'hui, nous allons les citer dans nos cœurs. Et dans les mois passés, on les disait à haute voix. Même quand bien même j'avais un problème avec mon voisin, mais Dieu, comme c'est un Dieu d'amour, il a préféré qu'on soit à côté l'un de l'autre. Je n'arrivais pas à pardonner. Et le moment viendra où je vais dire pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Mais il est à mes côtés. Et c'est à haute foi toute la communauté entend. Quel sentiment animait nos cœurs à cet instant? Il y en a qui peuvent dire oui, mais heureusement aujourd'hui on ne va pas les citer à haute voix, mais on va les citer en cœur. Oui, ce n'est pas ça l'essentiel. La question, c'est d'être réellement enfant de Dieu et animé de ses sentiments d'être enfant de Dieu. De savoir pardonner. C'est ça notre emblème bien-aimé.
Que Dieu fortifie notre foi. Jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Le moment est venu où nous devons nous repentir. Et si la chorale peut nous interpréter un cantique. Ce qui va bien zembo, ma koiko pesa biso zembo ya bomi bongisi. Nous nous unir dans la prière de notre Père tel que nous enseigne par notre Seigneur Jésus. Prions. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Maintenant, je vous annonce la bonne nouvelle. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, Fils de Dieu vivant. On combo ya nkolo na biso Jésus Christ au monde nzamba bomoy. Vos péchés vous sont pardonnés. Masumu mabino malimbi sami. Et la paix du ressuscité soit avec vous tous. Kimia ya wa sekwa kina liwa ezala na bino banso. Amen. Amen. Bon Père d'amour, Père miséricordieux. Wa bolamu wa bolingo nzambe ya mawa. Immense merci pour ce pardon que tu viens de nous accorder. Dieu le seul à nous l'accorder sans poser des questions. Maintenant que tu nous as pardonné, sois plus près de nous, bon Père Céleste, pour écouter nos prières. Ensemble avec la communauté, nous t'adressons nos prières pour que tu puisses encore déferler ta bénédiction sur chacun d'entre nous. Accorde ta paix où ça fait défaut. Bénis bon Père Céleste les familles divisées. Accepte mon Père Céleste de te pencher sur ceux qui ont des soucis particuliers. Tu connais chacun dans sa situation personnelle. Il n'y a que toi qui sait pourvoir à tous leurs besoins. Nous pensons aux multiples prières de notre apôtre d'ici que notre apôtre patriarche. Que mon Père, ces prières, leurs prières nous couvrent davantage. Et que nous ne soyons perturbés par aucun autre esprit de ce monde. Nous pensons à l'unité d'esprit avec tous nos frères et sœurs réunis dans toutes les communautés. Nous sommes sûrs que tu pourras encore faire plus, mon Père Céleste, pour les jours à venir, pour la vie de nos communautés. Abrège le temps et avant ton Fils nous prendre. Fais plus et mieux au nom de Jésus. Salamingi koleka na nkombo ya Yesu. Amen. Amen.
Mes soeurs, maintenant nous devons nous préparer pour la Sainte Sainte. Maintenant la table du Seigneur est prête. Si kamesa nkolo ebongisami. Au nom de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On kombo ya nzambe. Tata, moi n'en pe moli mo santo. Maintenant je consacre le pain et le vin pour la Sainte Sainte. Si kanako boli sali pape vigno pona molei mo santo. Je dépose le sacrifice unique valable en toute éternité dans le Seigneur Jésus-Christ. Et na kotia likolo na yango likabolioko likoka ya nkolo na biso Yesu. Le Seigneur prit le pain et le vin et rendit grâce et dit. Kolo azuli pape vigno atondi botondi palobi. Ceci est mon corps brisé pour vous. Oyezali nzoto na ngai oye pasawa mi pona bino. Ceci est mon corps. Oyezali makila mangai. Ceci est le vin répandu pour vous pour le de vos péchés. Mangez et buvez. Faites ceci à mémoire de moi. Toutes les fois que vous mangez ce pain et vous buvez ce vin, vous annoncez la mort de Christ jusqu'à ce qu'il y revienne. Amen. Amen. Maintenant, le Seigneur nous invite à prendre part à la Sainte Sainte. Bon Père d'amour, Tata Wabiso Wabolingo, immense merci pour cet instant béni que tu nous as accordé. Ensemble avec la communauté, nous exprimons toute notre reconnaissance. Nous te remercions pour l'exhortation. Et si nous te prions de venir les offrandes de tes enfants. Pour le commencement de ton œuvre, mon Père d'amour.
Ouvre les voies de bénédiction pour chacun d'entre tes enfants. Quelque chose à t'adresser, mon Père Céleste, pour le bienfait que tu fais pour l'un ou l'autre. Apporte-nous la bouche des anges sur le chemin des retours. Nous continuons avec nos portées de mission. Nous devons faire plus et mieux au nom de Jésus. Amen. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Bonzenga kolo na biso Yesu. Bolingo ya Nzambe Tata, pe bokanga mineli mwe santu, ezala na bino nyonso. Amen. S'il vous plaît. Bonjour, Bissika, Valingami. Vous pouvez nous balancer les cantiques de clôture. Bakoki kopesa biso nzembo pona kosukisa losambo. Christ. Christ. Vous le savez. Aussitôt terminé. Pas d'assemblement. Des rassemblements. Tout droit. Chez nous. Alors je vous souhaite un dimanche béni. Et à la prochaine. Merci.